Action. 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 Ça va? Alors, je m'appelle Marine Breton et je suis professeure de lettres histoire au lycée Goussier. Et j'ai fait ce projet avec mes élèves parce que j'ai toujours rêvé de mettre la blouse de Monsieur Rouillard un jour. En fait, t'es dans celle de là. Ouais, c'est chouette. Ça va, ça? On a eu l'idée de monter ce projet quand on a fait une formation autour de l'exposition Rock à Nantes avec Madame Épier et Madame Rousseramu. On s'est dit que ça pouvait être sympathique d'essayer de créer un clip. Ça a été diversement bien suivi parce que les élèves, au début, le rock, ça ne leur parlait pas du tout. Et donc, la seule façon de rentrer, ça a été de créer une enquête auprès de leurs parents pour voir ce que ça pouvait représenter pour leurs parents que cette histoire du rock. J'ai demandé aussi de donner une photographie ou quelque chose, un objet en lien avec ce que ça leur rappelait. Et on a eu des centaines de photos de Doc Martens, de sacs US, de bandanas, de pochettes de disques. Voilà. Et on avait l'impression que ça faisait plaisir à tous ceux qui nous les envoyaient en fait, de ressortir ça. C'est un peu comme la Madeleine de Proust. Et on avait ressenti ça avec Madame Épier et Madame Rousseramu, qu'on avait été voir l'Expo Rock, en fait, cette histoire de retrouver un peu sa jeunesse. Et puis, petit à petit, ils se sont quand même rendus compte qu'ils connaissaient des choses, notamment autour du métal, avec le Hellfest. On leur a demandé de choisir un groupe, ils ont choisi Ultra Vomit, et puis cette chanson de Kamtar, et puis on est parti à imaginer une histoire. Kamtar. Et puis ils ont écrit des petits bouts de scénario, les chaudronniers et également les élèves de mode. Et puis on a mis ça bout à bout, et on a fini par avoir un petit storyboard. Et voilà, on arrive au tournage. Action! Marine, oui. On va leur demander ce qu'ils veulent en faire, c'est leur objet. Et nous, notre idée, ce serait de pouvoir le montrer au maximum, donc aux élèves du lycée, leur famille aussi, parce que justement les gens qui ont rendu les petits questionnaires, peut-être de venir voir ça. Et puis à d'autres élèves qui ont vu l'Expo Rock dans d'autres lycées, on a imaginé peut-être des petits échanges. Et puis on va essayer de l'amener au château. Voilà, si elle pouvait rentrer dans l'Expo Rock à la fin, ça serait chouette. Explique-nous ton ressenti. Explique tout ton ressenti. C'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Allez, comment t'as remis ta cagoule? Je m'appelle Mathieu, j'ai fait le making of, j'ai filmé le making of. Ouais, bah tiens, tu vois qu'ils sont en train. Ah ouais. Ah, c'est trop bien. Va-t'en en courant. Mon prénom. Cours. Barre-toi en courant. Clément. Cours. Ah, et tu pars en courant. Ouais, ouais. Super. Bah, d'abord, j'ai fait cette pièce-là, qui est tout ici. J'ai fait un dessin pour me donner une idée. Après, j'ai découpé les yeux au plasma. Et après ça, c'était une chute que quelqu'un avait déjà utilisée, que j'ai soudée par-dessus ça. Et j'ai mis des baguettes pour souder directement sur le masque, pour faire comme un effet prison. Et les yeux, le nez, je les ai fait. J'ai posé sur une enclume et il y avait un trou et je tapais au marteau. C'est le premier essai. Je trouve que cette information est assez cocasse. Je peux pas aller sur l'appareil photo. Je m'appelle Alan. J'ai fait d'abord au plasma, puis le plasma a reprojeté ce que j'ai fait sur ordinateur. Du coup, j'ai roulé après pour que ça fasse la forme. Puis ça tient avec ce morceau-là. Dans le clip, il y a eu des flammes, du coup, je me suis dit, je vais refaire les flammes.
Du coup, j'ai refait un peu de flamme au-dessus. Allez, qui ? 1, 2, 3. Ouais, je sais pas, des morceaux de métal et je les ai soudés ensemble. Est-ce que tu peux baisser le regard, et là tu lèves et tu me regardes droit dans les yeux. La caméra ou ouais. Oui, enfin oui. Ouais, super. Merci. Merci beaucoup. Bien. Moi c'est Tristan. Moi c'est Thomas. On a aidé pour la réalisation du clip rock. C'était parti sur une chanson d'Ultra Vomi. Kentar. Ouais. Voilà. Et en gros on a fait notre clip à nous-mêmes. Éteins. Éteins. En fait, tu vas éteindre et toi tu viens. Et toi tu viens, voilà. Toi t'avances et toi t'avances. Voilà. Et quand on lui donne les deux, allume. Ok. Voilà, c'est beau. Éteins. Changer. En derrière. Allume. Comme ça. Allume. Allez, continue tant que j'ai pas, parce que je ne l'ai pas tué. Je vais tuer. Éteins. Ouais, vas-y, bon, prends-moi. Vas-y. Tu me vois là? Tu me vois, putain, alors si t'es vous plaît, trop bon, mec. Tu restes à Hollywood. Tu me vois? Attends.